pour démarrer, on commence de ce côté-ci sur le socle en bois. On est sur une tartelette avec une bavaroise de poireau et une petite huile de persil qui va être dégustée en premier. Et ensuite, on continuera dans la cuillère. On va être sur un morceau de foie gras mi-cuit avec une petite huile de pain et oignon rouge en pickles. La dégustation. Donc là, juste avant l'entrée, on démarre avec la mise en bouche. On va être sur une mise en bouche autour de la betterave rose, travaillée dans un style vaporeux, tranchée avec une petite huile de persil. Bon, on va panier l'ensemble du repas, donc on va retrouver au centre le pain local au levain. On a un petit beurre maison en ce moment, curry noir. Bonne dégustation. C'est le radis d'Icon. Oui, ils appellent ça aussi navelon. Pour moi, ça a plus le goût d'un radis. Tu l'es fait à la trancheuse, là. Oui. La trancheuse aussi fine. Le plus fin possible. Je les ai fait un poil trop fine. Normalement, ils se tiennent bien mieux que ça. Parce qu'au couteau, ça serait pas possible. Non. C'est bon. Un peu plus de volume. Petite touche pour assaisonner un peu. C'est ça? On a de l'oseille veinée, donc c'est de l'oseille, c'est un peu citronné. La capucine pour le côté un peu poivré, les grosses feuilles vertes et un peu de petite pousse de radis aussi pour pepser un peu l'ensemble. C'est une végétale. Fais ça au vin jaune? Ouais, vous glacez au vin jaune. Savagnin non houillé. Non quoi? Non houillé, c'est-à-dire comme le vin jaune. Ouais, pareil. Mais qui aura qu'un. Disons que deux ou trois ans de fût. Non oxydé. Ah voilà, ouais, non mais. Recette, Genet, et puis la carotte travaillée par Décoré à Vichy. Là, je connais pas. Ah. Ok. Exceptionnel. Ah bon, voilà, après, voilà. Donc on démarre, madame, ici, la dégustation. Cannelloni, juste gratiné au parmesan et à la béchamel, avec la farce au morille et au sèvre. Pour l'assaisonnement, on est sur une sauce émulsionnée au vin jaune, avec coco de sève et praliné de morille. Par ici, monsieur, donc nous, en fraîcheur, carpaccio de Saint-Jacques, avec pour aller un petit peu de texture en bouche, on est sur un travail autour du radis d'Aïcon. Huile de pain avec une vinaigrette clémentine et aneth. Bonne dégustation. J'adore la betterave. J'ai expliqué à ton serveur, j'adore la betterave et je la travaille en panna cotta, des trucs comme ça, panna cotta, et je l'associe à de la framboise des fois. Oui, ça donne un l'effet aussi, je vois la chèvrerie des faits. Du fait, il y a les œufs qui viennent de Sambar, à la ferme de Longcheneux. Je connais pas ça. Il y a que la viande et le poisson pour l'instant, on n'est pas encore très très au point.
Bah, pour la viande, si, c'était comment ton ancien chef qui m'a donné l'adresse à Samba. Chez Niva. Chez Niva, chez comment, ouais. Oui, c'est Niva. Manu, ouais. Manu. Ah, je suis tombé amoureux de sa boutique. Ça m'a remis en accord avec les bouchers. Il fait de belles choses, lui. Ouais. Sur les viandes naturelles. Magnifique, ouais. Ah non, c'est. Puis là. Et puis il est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Ouais. J'ai un contact pour travailler de l'agneau coloniaux, élevé en bord de Loire. Oui, ça peut être sympa. Donc, moi j'avais une adresse, mais elle était dans l'Aveyron. Ouais. Qui était à Rignac, le mec qui fait un agneau à laiton. À laiton. Oui, un agneau à laiton. Donc c'est pas l'agneau de lait, c'est l'agneau à mi-chemin. Quoi. Tu vois, je connaissais. Et c'est vachement bon. Beaucoup de grandes tables, la travail, et c'est pas mal non plus. Ça. Enfin, bon, après, tu peux pas non plus tout avoir. Hein. Bah non, puis on essaie de faire des opérations sur certaines cartes, du coup, on change beaucoup en plus. Moi, en ce moment, c'est le pigeon de Pornic. Alors, vous continuez ici, donc, on est sur le suprême de Pantin. Donc, pour la Pantade. Donc, suprême de Pantade ici, donc travailler pour la cuisson de basse température qui va être assaisonnée à même la cuisson avec la peau de batak. On est sur un type de poivre qui va venir d'Indonésie et qui va ramener un côté assez agrume, donc un peu de fraîcheur pour la viande. De ce côté-ci, la réduction de volaille, donc juste corsée. Travailler pour l'accompagnement, donc la carmine, variété d'endive pourpre qui va être travaillée juste brisée. On a un condiment de noix et de sarrasin avec une texture de salsifis. Ici pour nous, donc on va mettre toujours le filet de scraie. Donc poisson blanc qui va être de la même famille du cabillaud, travaillé donc juste nacré. Pour l'accompagnement, on va être sur une base avec sauté d'épinards au gingembre. La variété de chou frisé qu'on va trouver ici, ce sera le chou kale avec un tartare d'huître pour amener le côté gâteau en bouche. Texture d'oignon, travaillé en face de vous avec une émulsion d'oignon caramélisé. Et sur la gauche avec des oignons frits pour le côté texture en place. On continue sur. On arrive au terme des fromages, travailler. De ce côté-ci, donc, on a une base un petit peu plus brute avec le bleu d'Auvergne. Travailler autour de la poire et de la poire pochée au sirop de vin rouge. On va retrouver donc avec à la base le sirop de poire épicé à bien marier avec le reste. Par ici, le plat phare de la maison. Le chèvre frais façon crème boli. On va retrouver différentes textures de chèvre sur plusieurs étages. Tout à la base, on est sur un confit d'échalote qui va être relevé au balsamique. Recouvert sur le dessus, donc on est sur un vaporeux de chèvre frais, donc travaillé comme une crème brûlée, puis au four. On a un assaisonnement avec la baie de séchour de Madagascar. Et sur le dessus, un râpé de chèvre sec, une tuile de sucre et une petite opaline à venir casser. Donc pour le rappel de la crème brûlée. On continue, monsieur. Qu'est-ce que c'est comme variété de potimarron, maintenant ? C'est un potimarron du jardin. Que j'ai cultivé moi l'été dernier. C'est quoi? C'est des potimarrons ronds. Rouge, ouais. Voilà. Et j'aime bien justement mettre un dessert un peu classique, on va dire. Puis un autre. Et puis un voilà, peu plus, faire un. Qui sont un peu plus ordinaires. On a fait de l'artichaut, on a fait. Ah, ça, par contre, là, ouais, j'ai vu hein, que. On a fait pas mal de trucs sympas. L'arborescence, il. J'ai dégusté chez lui un dessert au concombre. Ah ouais, ah, ça doit être sympa ça. C'est-à-dire que tu ressors, il y a une association, il y a des mariages et tout. Il prouve qu'il y a du talent derrière. Comme ça. Il y avait un sacré travail. L'arborescence, oui, j'aimerais bien faire. Ah oui, ça, il faut le faire. Après, il est ouvert que mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ah, c'est ça, on a les mêmes jours. Ouais, ouais. Martin, tu peux m'amener une saucière, s'il te plaît, Martin. Alors, je m'appelle Martin Delannoy, je suis seconde cuisine à Avarum. Ouais. 4 et 2x2. Je te fais ça. Alors
va terminer donc de ce côté-ci en gourmandise, mais sur une base d'un biscuit génoise. On travaillait avec la vanille fumée de Madagascar. On va retrouver ici donc un travail avec une crème anglaise avec cette même vanille. Donc la vanille fumée est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus aromatique que la vanille classique. Justement, pour casser un peu cette sucrosité, on va retrouver le kumquat, travaillé avec un petit gel juste acidulé et confit. Par ici, on termine sur un dessert un petit peu plus original, donc façon pavlova, avec la base meringuée et crème du potimarron. Donc ils vont venir justement équilibrer le tout, casser un petit peu la sucrosité, avec pour l'accompagnement, la fraîcheur, une gelée de couronnade. Pas de repas. On terminera dans l'ordre avec les mini-ardises, les petites douceurs de fond de ce côté-ci, on a un financier au thé matcha. Et ensuite, on terminera avec un chou au chocolat. Je vais faire un c'est même pas comme on s'est vu, c'est vrai le matin.